Bonjour. Moi je suis Nadège, donc la petite sorcière qui se cache derrière les tricots de la petite sorcière et NOD Faerie, donc Nadège Olive Design Faerie, qui est ma marque. Donc je vous fais une petite présentation rapide parce que je ne vais pas faire de présentation systématique dans mes podcasts. Voilà, pour celles qui arriveront ou qui me découvriront. Vous pourrez regarder cette petite vidéo de présentation. En sachant que si vous voulez voir mes anciens podcasts, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'ai un blog où j'avais mes premiers podcasts et je continue d'ailleurs à mettre mes podcasts régulièrement dessus. Il y aura voilà, soit sur YouTube, soit vous pourrez aller sur mon site internet. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà, je me présente, je suis Nadège. J'ai créé les tricots de la petite sorcière, donc c'est mon entreprise, c'est la partie mercerie de mon entreprise. C'est mon nom d'entreprise, mais c'est dédié à la laine, donc je fais la laine Fonty. Donc je suis revendeuse pour la marque La Filature Fonty. Et je vends également les pelotes de la marque Cheval Blanc. Voilà, et j'ai un autre fournisseur qui devrait arriver sous peu, mais pour l'instant je n'en dévoilerai pas plus. Ce sera au fur et à mesure des podcasts si ça se concrétise. Je fais également la marque Xiaogu au niveau des aiguilles. Pareil pour l'instant, c'est en début, voilà, c'est. Voilà, ça c'est la partie mercerie, donc c'est les tricots de la petite sorcière. J'ai aussi des marqueurs, je fais des box, je fais des kits régulièrement. Voilà, j'ai un univers dédié à la laine principalement. Je fais aussi un peu de crochet, mais vraiment juste mes bordures. Mais je vends de quoi faire pour le crochet. Et j'ai ma marque Nadège Olive Design Faerie que je lance depuis un an et demi maintenant. Là, c'est dédié à mes designs. Je suis designer tricot avec un univers très elfique. Je suis reconnue avec mes capuches pointues. J'ai commencé tous mes designs avec ces capuches pointues et maintenant on les retrouve dans tous mes modèles. Voilà, le Nadège Olive Design Faerie, donc NOD Faerie. Ça, c'est mon logo de ma marque. Et hop là, quand on voit la petite sorcière comme ça, c'est mon logo de mon entreprise. Les deux, on me retrouve sous les deux en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que mon nom de marque, donc Nadège Olive Design Faerie, me permet d'avoir mon site internet parce que il fallait un nom plus court. Voilà, c'est. Mais ça regroupe les deux univers. Et dans ma marque, donc dans les designs, je fais du prêt-à-porter. Je fais les patrons pour les tricoteuses et je fais du prêt-à-porter. Voilà, si vous voulez découvrir mon univers. Dans mes podcasts, je ferai en sorte de faire une partie les tricots de la petite sorcière, donc tout ce qui est mercerie, tout ce qui est projet, tout ça, arrivage. Et dans la deuxième partie, ce sera la partie design à proprement dit. Nadège Olive Design, Faerie avec les appels au test, par exemple, les sorties de patrons, les patrons que je suis en train de créer. Voilà, j'essaierai de diviser en deux parties et ensuite il y aura la partie blabla, bien évidemment, comme un peu dans tous les podcasts en fait. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans mon univers et à bientôt.